les amis, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, on va faire le petit disclaimer. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement. Je vous présente juste mes investissements sur différentes plateformes et l'évolution de ces investissements au fil du temps. C'est à vous après de faire vos propres recherches pour voir s'il est judicieux ou non d'investir sur ces plateformes. Avant de commencer, je voudrais juste vous dire que si vous êtes sur des sites où vous avez investi dessus, n'oubliez surtout pas d'activer tout simplement le 2FA. Quand vous êtes dans les paramètres sécurité, vous pouvez activer. Ça permet de vous empêcher que votre compte soit tout simplement hacké et qu'on vous retire votre argent sur vos comptes d'investissement. Voilà, donc n'oubliez surtout pas d'activer le 2FA. Voilà, on va commencer aujourd'hui par l'Undermarket. Alors l'Undermarket, ça fait 2-3 mois que je suis dessus. Je n'ai pas réinvesti dessus, tout simplement parce que pour l'instant, je suis très axé sur la crypto-monnaie. Il y a des grosses opportunités d'investissement qui feront des gros retours. C'est vraiment la crypto-monnaie, c'est on va dire le seul domaine où vous pourrez vraiment, avec des petites sommes, gagner vraiment beaucoup en retour d'investissement, plus que la bourse et même plus que le trading. Voilà, donc il est important pour moi de pour l'instant vraiment capitaliser tout sur la crypto-monnaie et d'avoir les retours d'investissement, je pense, l'année prochaine en 2024, où je pourrais me concentrer ensuite pour, avec mes plus-values, tout rebasculer sur des investissements qui sont un petit peu moins à risque, comme le crowdfunding. Voilà. Donc, pas de souci pour l'Undermarket. J'ai bien eu mes paiements. J'avais investi 200. Je suis déjà à 217 et avec un taux de 14%. On va juste aller regarder la liste des prêts. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment un très gros panel sur tout simplement cette application. Vous voyez, il y a vraiment un gros panel avec des pourcentages intéressants, mais après il faut faire ses propres recherches pour voir, parce qu'il y a quand même des taux de retard ou de défaut, hein, bien sûr, mais de bien analyser à qui vous prêtez avant d'appuyer sur investir. Voilà. Actuellement, je crois qu'il y a une petite campagne de promo si vous investissez 1000 euros sur tout simplement un émetteur de prêt, vous allez avoir un pourcentage plus élevé. Je crois que c'est 1% en plus si vous investissez au minimum 1000 euros sur un émetteur de prêt. Voilà. Voilà pour l'Undermarket. Pas de souci, je réinvestirai beaucoup dès que je vais avoir plus de liquidités, que j'aurai fait mes plus-values, car c'est vraiment une très bonne plateforme, même s'il y a quand même du retard. Hein. Il y a quand même du retard, ce qui est normal, surtout actuellement, qui est du retard un petit peu sur cette forme de lending. Voilà, on va passer maintenant à Burberry. Alors, je vous invite toujours, si vous êtes sur Burberry, à regarder les statistiques, pour regarder un petit peu les performances, pour voir si c'est en augmentation ou pas. Là, vous voyez l'augmentation du portefeuille en cours qui est de 116 millions 70 000 743 euros. Le total investi 1 milliard 900 millions 652 000 0,93 et le rendement 11,23%, ce qui est vraiment correct. Ensuite, vous regardez un petit peu aussi, là c'est les prêts financés. Voilà, je vous invite à tout regarder. Aussi, vous pouvez regarder un petit peu les prêts en cours, la moyenne, ceux qui font du court terme, ceux qui font du long terme, la situation géographique, c'est-à-dire les organismes de prêts où les gens investissent. Voilà. Aussi le statut des investissements, c'est-à-dire le taux de retard. Voilà. Voilà, pour Burberry, c'est vraiment pour moi, c'est très carré Burberry. On va aller juste sur tout simplement, voilà, ma page. Et vous voyez qu'actuellement, j'ai 982, j'avais 1700 à peu près euros dessus. J'ai retiré pour pouvoir investir sur une opportunité sur la crypto-monnaie, mais je réinvestirai ensuite avec mes plus-values pour vraiment mettre une plus grosse somme sur Burberry, parce que pour moi, c'est vraiment carré, c'est fiable. Il y a vraiment très peu. Vous voyez là, en cours, j'ai 100%, j'ai aucun taux de retard.
J'ai retiré l'argent, le lendemain je l'ai reçu sur ma banque, le lendemain, donc c'est vraiment très rapide. Pour moi c'est Carré, vraiment c'est une des meilleures plateformes, pour moi c'est vraiment Porbury. Voilà pour Porbury, juste on va aller voir investir. Alors je vous rappelle que c'est le matin, si vous voulez des prêts à court terme, c'est le matin tôt. Sinon, eh bien, vous allez avoir des prêts, mais sur le long terme, sur 2 ans. Moi, j'aime pas trop ce genre de prêt parce que ça manque de liquidité. Vous allez être obligé de bloquer une somme pour 2 ans. Pour moi, c'est un petit peu trop. Voilà. On va passer à la petite appli où je laisse en auto-invest qui s'appelle Twino. Une petite application qui vous permet tout simplement aussi d'investir. Alors moi je fais en auto-invest, mais vous pouvez le faire en manuel. Vous voyez, en manuel. Et les taux aussi entre 9, 10, ça peut aller parfois à 12%. Vous pouvez investir, c'est souvent dans les pays de l'Est. Voilà, et vous voyez, une fois la Vietnam, n'hésitez pas avant, bien sûr, d'investir, tout simplement d'aller regarder un petit peu sur quoi vous investissez, le collatéral, etc. Voilà pour Twino, moi, je le laisse en auto-invest, j'ai pas une grosse somme dessus. Vous voyez, j'ai 355 euros, je crois, dessus, donc je laisse tourner, pas de souci pour moi pour Twino, je réinvestirai un petit peu plus tard dessus aussi. On va passer maintenant à Realty, qui est pour moi une des super plateformes pour la tokenisation immobilière. C'est d'ailleurs les pionniers. Et on va tout simplement regarder. Alors actuellement, il n'y en a pas en vente. Ça part comme des petits pains. Donc, de toute façon, dès qu'ils le mettent en vente, ils en ont mis un il y a 2 jours. C'est parti. Et actuellement, vous avez juste une possibilité de réinvestissement. On va juste aller voir une chose. Attendez. Et voilà. Pour la première fois, c'est en dehors des États-Unis, au Panama. Voilà, ça a été vendu. Et le taux est un petit peu moins intéressant. Mais pour se diversifier, ça aurait pu être intéressant d'investir dessus. Tout simplement. Voilà. Je pense qu'ils vont de plus en plus commencer à chercher des investissements en dehors des États-Unis, surtout qu'eux sont vraiment essentiellement à Détroit, tout simplement parce que c'est une aubaine à Détroit pour eux, puisque Détroit est une ville un peu, avant était une ville fantôme, les gens étaient partis de Détroit, et maintenant il y a plus en plus de gens qui retravaillent à Détroit, pardon, et tout simplement. Realty en a profité pour acheter des maisons à bas prix ou délabrées et les restaurer. Voilà. Voilà pour Realty. On va juste aller voir. Hop. Voilà. Donc ça c'est le dashboard. Et vous pouvez voir actuellement j'ai 1206 euros dessus. Et je n'ai pas pris de RMM, c'est-à-dire pas pris d'emprunt dessus. Et par contre, vous pouvez voir que tout n'est pas loué. Vous voyez, partiellement loué, partiellement loué, partiellement loué, partiellement loué. Pareil, partiellement loué, partiellement loué. Là, c'est loué, non loué, non loué. Alors souvent, c'est les anciennes. Hein. C'est les anciennes maisons qui sont pas louées. Et loué, 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 loué. Et loué. Voilà. Bon, il y a quand même un petit pourcentage qui n'est pas loué. On espère que que le taux va augmenter. Et sinon, au niveau des gains, eh ben, ça me donne actuellement presque 8 euros par mois. C'est pas énorme. Après, j'ai pas investi une grosse somme. Mais avant, je touchais un petit peu plus. Voilà. Alors, c'est pas euro, c'est dollar. Mais bon, on y est presque. C'est à peu près pareil. Voilà. Mais on va continuer pour moi, Realty. Il faut savoir que quand même, les tokens prennent de la valeur. Hein. Les tokens vont prendre de la valeur. Et aussi, bien sûr, que moi, je vais continuer à investir dessus. Surtout quand je vais faire mes gains en crypto. Je vais vraiment mettre beaucoup plus dessus. Car pour moi, c'est vraiment l'avenir. Même si je vous parle de souvent. Enfin.
maintenant de Aesthetics, qui sera vraiment encore un petit peu plus développé que Realty. Mais Realty reste quand même pour moi très très bien, une bonne diversification. J'attends juste que eux se diversifient géographiquement et n'investissent pas que à Détroit. Voilà, mais je vais continuer à investir dessus. Dès que je vais faire mes gains, je vais investir vraiment un plus gros paquet sur Realty. Je vous rappelle qu'ils ont une communauté, vous pouvez aller regarder sur YouTube, ils font souvent des community recalls et ils vous expliquent beaucoup de choses, leurs projets, etc. Donc c'est important d'aller sur YouTube et de regarder un petit peu l'évolution, tout simplement. Voilà. Et on va terminer par Land Finance. Alors Land Finance, hop. Vous voyez actuellement j'ai 657, j'ai des fonds disponibles. Alors j'ai été repayé tout simplement d'un investissement où la personne tout simplement a vendu son collatéral parce qu'elle n'arrivait pas à tout simplement à rembourser ses prêts. Donc là je n'ai pas gagné je n'ai pas eu d'intérêt sur celui-là. On peut voir que j'en ai deux en retard de plus de 2 mois, deux qui ont été repayés et un actuellement. Donc là, Land Finance, c'est dur, c'est un petit peu plus dur pour avoir tout simplement, tout simplement une bonne moyenne. Bon, par contre, ils payent les intérêts, hein, à part la dernière où j'ai été, où là, ça a été, il a fait bankrun. Mais sinon, j'ai quand même les intérêts en retard sont quand même payés. Mais pour moi, cette plateforme, c'est un petit peu plus dur d'avoir. Alors, c'est toujours plus dur dans ce qui est en agriculture. C'est normal hein, que, surtout actuellement, que les paiements soient un petit peu plus durs pour eux, c'est pas facile, mais je vais quand même continuer à investir dessus. Par contre, on va aller voir les projets. Vous voyez là, j'ai de l'argent disponible, mais je vais pas investir, même sans regarder ce qu'il y a en fait, quels sont les projets, tout simplement parce que 35 mois, 28 mois, 36 mois pour moi, c'est trop. Moi, j'ai besoin de liquidité sur maximum 1 an. Je ne veux pas être bloqué pendant 2-3 ans, même si c'est des petits fonds. Je préfère des prêts à court terme comme celui-là. Voilà, comme par exemple celui-là, 6 mois, 12 mois maximum. 5 mois aussi, parfait. 5 mois ici. Par contre, tout ce qui est 36 mois, tout ça, non. Pour ma part, c'est trop long, mais ça dépend de la stratégie de chaque personne. Voilà. En tout cas, dès qu'il va y avoir un projet intéressant de moins d'un an, je réinvestirai la somme que j'ai à investir actuellement et je continuerai à investir sur Land Finance, même s'il y a quand même un taux de retard assez important. Voilà, on va passer au dernier qui est tout simplement Yelnats. Alors, j'en fais très longtemps que je n'ai pas parlé de Yelnats. Je vous rappelle qu'ils avaient coupé les retraits. C'était tout simplement dans les mastermind, vous gagnez avec un très gros pourcentage. Certains disent que c'est un scam, mais je trouve que si c'est un scam, bien, je ne comprends pas pourquoi ils communiquent autant et ils pourraient très bien se barrer. Se barrer avec la caisse et nous laisser comme ça. Donc là, moi je trouve qu'ils font des efforts, le CEO communique, ils nous ont versé, ils nous avaient promis que ils allaient verser 5% tous les 3 mois. Et effectivement, j'ai eu au mois de juin mes 5% de gains. Voilà. Ce qui est très important à faire, c'est ici. Yelnats. NFT, c'est-à-dire que ils ont transformé tout simplement ce que vous avez, ils l'ont mis sur un NFT. De toute façon, tout bientôt sera sur les NFT. Et maintenant, il est important de le faire avant octobre, de tout simplement aller cliquer sur Yelnats NFT, de rentrer votre adresse et vous allez rentrer en fait votre adresse Polygon. Il faut rentrer l'adresse Polygon, soit sur votre MetaMask ou si vous avez un wallet Ledger par exemple. Vous rentrez l'adresse que vous avez Polygon sur votre Ledger et vous allez la communiquer à Yelnats. Le lendemain, ils vont vous envoyer sur votre Ledger ou votre MetaMask ou autre votre NFT.
Voilà, on va aller voir si pour ma part, je crois que j'avais une photo. Vous voyez ici, Yednote NFT, la somme, et je l'ai donc sur ma ledger. C'est le NFT et carrément sur ma ledger. Et vous voyez, c'est Polygon. Voilà. Donc c'est très important de le faire avant le mois d'octobre. Et après, vous pouvez aussi le mettre en vente, votre NFT, sur OpenSea ou sur d'autres. À vous de voir. Ou de conserver. Pour ma part, je vais conserver parce que je pense qu'ils vont faire des partenariats et ça va repartir, je pense, pour Yelnuts. Enfin, je l'espère. En tout cas, il est important de le faire avant le mois d'octobre, de tout simplement minter votre NFT sur votre wallet. Voilà. Vous pourrez ensuite le rebasculer quand ils vont en avoir besoin. Enfin, ils vont les gains que vous allez faire, ils vont vous redonner 5%. De toute façon, logiquement en novembre, et vous allez, ça sera directement mis sur votre NFT. Tout sera fait maintenant sur votre NFT. Voilà pour Yelnods. On espère que ça va s'arranger et qu'on va pouvoir continuer à prospérer, à faire des gains avec eux et surtout à retirer. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à aussi vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir sur notre Telegram où je pourrai ou la communauté pourra vous aider si vous avez des questions sur quelques sujets, que ce soit dans la finance, l'économie, sur en tout cas mes investissements. À très bientôt, ciao!